qui se bat pour nous, qui travaille pour nous, pour la promotion de ses étudiants. Une dame très pragmatique qui ne cesse de œuvrer toujours dans le bon sens de nous. C'est notre directrice qui va nous donner ses mots aussi pour cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, pour la plupart des étudiants et même pour certains d'entre vous, les invités, ne me connaissent pas. Voilà. Je suis Madame Ouya Marie-Véronique et je suis la directrice générale de EC2LT. Voilà. Donc, c'était juste pour vous souhaiter une très bonne fête. Voilà. Et je suis très heureuse que vous ayez pris l'initiative d'organiser cette journée d'intégration. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Et juste pour vous dire que la fête soit belle. Voilà. Donc, je commence par remercier déjà l'amicale qui a organisé cet événement. Et si je résume tout ce qui a été dit aujourd'hui ici, tout tourne autour de la familiarité autour au niveau de l'SDZP, l'esprit de partage. Quand on résume tous les débats, je retiens l'esprit de partage. Certes, la direction a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais je dis que les étudiants ont une grande responsabilité à conserver cette philosophie. Parce que c'est en réalité, c'est à eux maintenant de conserver cette vision, cette philosophie, à la propager dans tous les autres établissements qui sont ici. Donc c'est une spécialité de l'école, donc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc l'esprit de partage est déjà gravé dans le nom de l'établissement. C'est pas quelque chose qu'on a caché. Et cet esprit est accompagné des technologies que nous faisons au niveau de l'établissement. Donc c'est de la télécommunication, c'est du multimédia, mais aussi c'est de la philosophie du logiciel. Et c'est ça en réalité le point focal de l'EC2LT. Donc tous les étudiants qui ont une fois été à l'école, inscrits en licence 1 ou en master, sont partis avec cette philosophie et sont toujours restés ancrés à cette philosophie, aussi bien dans les entreprises que même chez eux. Donc la balle est dans votre camp. L'amical a travaillé cette année. Ce qui reste, les gens qui vont venir après, ceux qui vont rejoindre dans les années qui vont suivre, doivent hériter de cette philosophie et la mettre en pratique. Parce que ce qui, en réalité, c'est vous les bénéficiaires de cette philosophie. Nous, on est là en tant que direction, en tant que staff de l'administration. En réalité, la philosophie est pour vous, la philosophie vous porte à l'emploi. Et comme le directeur le dit, il ne faut pas chercher de l'emploi. L'emploi vient vous trouver. Et l'emploi vient vous trouver avec quelque chose qui est déjà en vous. Et ce quelque chose-là, c'est ce que vous donnez à la sécurité en tant qu'étudiant de la sécurité. Donc, cette année, on a initié deux classes de MIC, Multimédia Interactive Communication. Et les résultats que nous avons actuellement avec les quelques cours qu'on a déjà faits, je pense que si on les conserve jusqu'à la troisième année, on n'aura pas ici au Sénégal des gens qui sont aussi formés dans ce domaine. Et je parle en connaissance de cause parce que je fais la même formation aussi ailleurs et je retrouve les mêmes étudiants que j'ai ailleurs et je vois nettement une différence de profil. Donc le CDT, c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille, c'est la communication. Et on tient à ce que toutes les filières s'articulent sur les mêmes objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont les projets. Tout ce qu'on... Moi, je vais être bref. J'aimerais inviter surtout aux étudiants de venir à l'heure à l'école. Hein? Vous venez tout le temps en retard. Hein? Et ce n'est pas intéressant. Bon, je souhaite que la fête soit bien et bon après-midi. Président qui a été élu démocratiquement, n'est-ce pas?
n'est-ce pas? Il n'a pas été nommé, n'est-ce pas? On ne nomme pas un président, on l'élu, n'est-ce pas? On va lui donner la parole et il va nous faire son discours. Messieurs les professeurs de l'ECDLT, mesdames et messieurs les anciens de l'ECDLT, mesdames et messieurs honorables invités, l'amicale de des étudiants de l'ECDLT que j'ai l'honneur et le privilège de diriger est particulièrement honorée de votre présence en ce jour. La beauté et la réussite de cette journée en dépendaient en grande partie. Donc merci de vous être déplacés, nous témoignant de votre soutien incommensurable. Justement en parlant de soutien, Madame la Directrice, qu'avez-vous pas fait pour la tenue de cet événement? Que n'avez-vous pas fait pour la bonne marche de cette institution? Je m'en vais remercier M. Ouya, le directeur de la formation et de la recherche de l'ECDLT, qui ne ménage aucun effort pour voir ses étudiants réussir. Vous représentez pour nous ce dont rêve tout bon soldat, un général qui se met en première ligne et qui dirige sa troupe. Vous remercier revient en enfer autant pour tout le personnel de l'établissement qui a votre image s'active pour une ECDLT meilleure. Chers camarades étudiants, il est vrai que du fait de ses ressources limitées, l'amicale vous demande de vous conformer aux cotisations par étudiant que l'administration aura à fixer les normes d'ici bientôt afin de pouvoir terminer ses activités en beauté telles que la semaine culturelle et une grande sortie de fin d'année. À noter aussi que l'amicale compte sur votre appui afin de nous rapprocher du but, à savoir améliorer les conditions de vie de l'étudiant. Retenez que l'amicale est faite pour vous, donc elle doit se faire par vous. Depuis mon avènement à la tête de celle-ci, avec un bureau rigoureux et engagé que je remercie de passage, nous avons voulu faire un geste pour accompagner l'activité pédagogique de l'école. C'est ainsi que des séances tutorielles et des clubs ont été mises en place, un tournant de génie en herbe et des projets par groupe d'étudiants ont été initiés. Notre objectif étant d'apporter notre pierre à l'édifice. Dans le cadre du raffermissement des liens, un tournoi de football qui opposait les différentes classes a démarré depuis 2 semaines. Pour finir mon discours, j'aimerais porter à la connaissance de l'assistance que l'amicale s'engage à faire la publicité de l'école. C'est dans cette lancée que nous allons essayer de définir avec les présidents d'amicale ici présents la nature des challenges que nous aurons à entreprendre. Je vous remercie de votre aimable attention. Que l'affaire soit belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours de notre président. N'est-ce pas, vous avez aimé? Si vous avez aimé, encore vos applaudissements. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vois que vous n'avez pas le sourire. Vous n'avez pas le sourire. Mais je vais vous donner un peu de sourire avant la suite des programmes. N'est-ce pas? Qui peut me dire quelle est la différence entre un Africain, un Européen et un Américain? Ici, qui peut me dire ça? La différence. Qui peut me dire la différence? Qui existe entre ces trois continents? L'Africain, l'Européen et l'Américain. La différence, c'est quoi? C'est la couleur. C'est le nez. D'accord. Là, si c'est le nez, moi, je vais vous dire, c'était trois amis. Hein? Il y a un qui est Américain, il y a l'autre qui est Africain et l'autre est Européen. En fait, c'est pour juste savoir dans quel pays on donne le résultat des élections le plus vite possible. Maintenant, l'Européen vient, il dit, mais chez nous, vous votez le matin, déjà le soir, on a les résultats. L'Américain vient, il dit, non, chez vous, c'est trop lent. Chez nous, vous votez le matin, à midi, vous avez les résultats. L'Africain a souri, il regarde les deux, il dit, mais vous vous foutez de nous. Chez nous, on connaît même celui qui va réussir, et celui qui va gagner avant d'aller aux élections. C'est toujours pour les Africains et aussi les Européens, avec l'Américain toujours. Quand tu vas chez un Américain,
Quand tu vas chez un Américain, tu dis je cherche un boulot, il va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Bon, si tu lui dis je sais câbler, je sais configurer les routeurs, il te dit bon, il faut lui donner les routeurs, il va aller configurer. Tu vas en Europe, on te demande quels sont tes diplômes. Tu dis j'ai le master, j'ai le doctorat en médecine, j'ai tout. On dit bon, ok, votre profil nous plaît, on te sert. Tu viens en Afrique, tu cherches un boulot, on te demande qui t'a envoyé. Ton père vient d'où? Ton père, c'est le père de qui? C'est ce qu'on te demande, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, c'est juste pour vous arracher un peu le sourire. Le grand même reste à venir. Si vous êtes toujours là, vous allez sourire toujours. D'accord? Ok, on continue le programme toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Le divertissement, ça ne sera pas seulement moi seul qui vais parler. Vous aussi, vous allez parler. Vous allez dire vos mots. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer toujours l'école? D'accord? Est-ce que vous me suivez? Là, je vais donner la parole à quelqu'un parmi le public et vous allez donner votre appréciation de ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer sur ça pour que la prochaine fois, on puisse faire mieux, n'est-ce pas? Qui peut donner ces mots? Qui veut parler? D'accord. J'ai... Bonjour tout le monde. Et merci de m'avoir donné la parole. Et si j'ai quelques recommandations à faire, c'est d'intégrer aussi dans votre amicale les anciens de l'école. Parce que l'école centrale des logiciels libres et de télécommunications a tellement de ressortissants qui sont aujourd'hui en entreprise. Et certains d'entre eux ont été là à votre place il y a cela quelques années. Et je suis un peu déçu. Parce que parmi les anciens, je n'ai pas vu quelqu'un ici. Donc, j'étais un peu surpris. Moi, personnellement, je n'ai pas été invité. J'étais hier chez Aribou. On était en train de travailler et c'est lui qui m'a dit qu'aujourd'hui, il y a une journée d'intégration à l'école centrale des logiciels libres et des télécommunications. Et étant donné que SEDZLT est gravé dans mon cœur, je me suis dit que je ne peux pas rester à la maison sans pour autant venir assister à cette journée parce que ce ne serait pas honnête. Et c'est pour exprimer aussi ma gratitude à l'école que je suis présent. Peut-être que tout à l'heure je vais reprendre encore la parole pour apporter quelques témoignages. Merci. D'accord, là, merci beaucoup pour cette remarque. Là, ce que je vais dire, au fait, quand nous avions constitué le bureau de cette année, il n'y avait pas une piste, c'est-à-dire il n'y avait pas une source qui nous disait qu'il y avait des gens. Donc l'amicale de l'année passée, ils n'ont pas laissé de traces pour qu'on puisse savoir qu'il y avait des gens. Donc on a reconstitué tout à zéro. Donc c'était ça un peu. Maintenant nous sommes vraiment désolés et actuellement, comme vous le remarquez, on va mettre ça en pratique et on va vous contacter, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours améliorer notre bureau. D'accord. Donc, rester ici sans rien dire que notre école vraiment. Bon, je ne pourrais pas dormir avec en fait. On m'appelle depuis la classe de 5e, j'ai décidé d'être ingénieur. Bon, ingénieur de télécommunication. Et pour cela, il me fallait une école vraiment qui va me former pour être vraiment un ingénieur de qualité. Et un jour, monsieur Yam m'avait dit, bon, c'est dit quand vous prenez la licence. Il m'avait dit qui préférait vendre des cacahuètes ou bien vous voulez que le travail vous serve en fait. Et cela m'avait vraiment motivé, juste pour vous dire que ce que le travail fait. Et si vous êtes à l'intérêt, il faut vraiment du courage. Et sans ce courage, vous pouvez pas réussir ici. Parce que j'ai vu une citation qui dit que si vous n'êtes pas assez courageux, personne ne sera à votre place. Et donc au niveau de cette école, il faut être courageux parce qu'il y a des sources qui se réalisent ici au niveau de cette école. Et donc vous voyez, vous dans une école, ici au Sénégal. Demain, il y a le mot logiciel libre. Donc qui dit logiciel libre, dit aussi le partage. Donc avec mes chers camarades de classe comme Kachala qui sont là, Akibou, et mes anciens aussi, comme
à faire la ligne de l'histoire de passage qui était notre présidente au niveau de l'ECDVT. Donc, là, j'ai vraiment compris que le lycée libre était très important. Parce qu'il y a le partage qui se faisait vraiment. Donc, si vous n'avez pas si vous prenez moi, je n'ai pas compris dans la programmation, bon, je n'étais pas vraiment prêt pour ça, quoi, en fait. Pour moi, c'était juste la télécommunication, comme vous dites, la télécommunication, les vidéos, tout ça. Et avec mes camarades, bon, eux, ils aimaient vraiment la programmation, quoi. Donc, comme je faisais les fréquenter et quand on faisait des partages, tout ça, je me suis dit vraiment, il fallait que je m'intègre aussi à eux et je commence à vraiment faire de la programmation. Donc, tout ceci pour vous dire que, comme on parle de jeunes d'intégration, donc, mes chers camarades, ce qui vient d'arriver, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans notre chère école de ces deux LD. Et c'était. Bon, en fait, c'était tout. J'étais à la maison et toujours à la recherche du savoir. C'est comme ça que je me suis levé pour venir à SEDCFC pour travailler. Et voilà que je tombe dans une fête comme celle-là. Mais c'est aussi intéressant de partager l'expérience que nous avons. Moi, je suis un professionnel. J'ai travaillé déjà pendant 30 années. Et il y a une autre facette aussi que je voulais vous savoir. L'école n'a pas d'âge. Moi qui vous parle, et j'avais fait Bac plus 2 et j'ai commencé à travailler tranquillement. Et comme le docteur Samuel l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on sait vraiment faire quelque chose, c'est le travail qui te cherche. Et nous avons, j'ai vraiment acquis de l'expérience sur le terrain. Et je me suis dit que ça ne peut pas s'arrêter là, il faut toujours à la recherche du savoir. Et c'est comme ça qu'arrivé à Dakar, je suis reparti encore à l'école pour me former, pour devenir ingénieur et ensuite faire le master. Et je suis toujours en train de chercher autre chose. Et c'est pour vous dire que même à mon âge, bientôt j'aurai 60 ans, je suis en train encore d'étudier. Et vous êtes encore très jeune. Vous avez encore beaucoup de capacités pour pouvoir vraiment faire plus que nous autres. Et en 2003, quand j'ai découvert le docteur Samuel, souvent on disait qu'il est très sévère, il est méchant, mais quand j'ai découvert l'homme, c'est quelqu'un qui aime vraiment le travail bien, il est très rigoureux, mais c'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler, bon, on dit qu'il est sévère, mais quand je l'ai découvert, vraiment c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait, et lorsque vous le connaissez et que vous suivez ce que vous dites, mais vous vous en sortez toujours. Et vous avez des performances au niveau de votre service. Moi, j'ai été formé pendant plusieurs années par lui. Et j'ai continué toujours à développer mes expériences au niveau de la SECLA. Donc, simplement, c'est pour vous encourager vraiment au travail bien fait. Il ne faut pas aimer la facilité. C'est un domaine qui est technique. Les télécoms ont beaucoup d'avenir. Il suffit d'apprendre et de bien maîtriser le travail maintenant vous cherchez. Donc c'est peut-être pour ça que je voulais vraiment vous encourager. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être persévérant, très courageux, parce que la vie n'est pas facile. Et en plus de ça, il faut de la patience, parce qu'il ne faut pas aussi trop se presser. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'étudie, je travaille, j'étudie, mais je n'ai pas fini. Mais je ne sais pas aussi ce qui est devant moi, mais j'essaie toujours. Lorsque peut-être j'irai à la retraite, peut-être c'est là qui va être meilleur de tout ce que je suis en train encore de chercher. Donc c'est pour vous encourager que vraiment, il faut aimer les études et il faut le faire de bon cœur. Et ce que j'aimerais finir aussi, il faut être vraiment solidaire. Il faut être solidaire, il faut avoir le sens de partage. Comme l'a dit le frère, il ne faut pas cacher. Quand on connaît quelque chose, il faut dans la joie de partager avec l'autre qui ne connaît pas. Et même à minuit, un ami qui vous appelle, je n'ai pas compris, il faut aimer faire le partage. Et vous verrez que lorsque vous partagez ce que vous connaissez, Dieu vous bénit encore richement. Et il vous ouvre l'esprit et vous apprenez encore beaucoup de choses. Et vous arrivez. Et
C'est l'exemple de M. Ouya parce que c'est quelqu'un qui partage. Et à l'époque, je me rappelle encore de ce qu'il nous disait, il est la mairie, il travaille pour tout le monde, donc il donne. Donc il est celui là qui partage. Et je pense que vous êtes au bon endroit. Et profitez vraiment de tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vraiment vous former. L'Afrique a vraiment besoin de vous et il faut profiter pour apprendre davantage parce que le meilleur est à venir pour tout le monde. Je vous remercie. Déjà dit, je tenais à le dire devant toute l'assistance, j'ai beaucoup de chance de rencontrer tout le corps professoral. Je les remercie autant que les autres parce que ce qu'il y a ici, j'ai fréquenté tous les établissements. Mais ils ont su faire un esprit de partage. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'états d'esprit comme ça. Ils sont en train de nous inculquer un fort état d'esprit de partage. Des choses que nous ne faisons même pas à la maison. Des attitudes que nous n'avons même pas avec nos propres proches. Et pour ça, je vous remercie au nom de tous les étudiants et toutes les personnes qui viennent partager avec vous. Moi, je suis un informaticien. Mais Dieu sait ce que je savais. Alhamdulillah, chaque personne que tu rencontres, elle te donne quelque chose. Ce que j'apprécie à ECDSLD, c'est qu'ils te font partir à la base. Ils sont très exigeants. Ils vous demandent de connaître les choses vraiment en profondeur, pas juste à la volée comme ça, comme je le savais. Et je vous rassure, les quelques mois que j'ai partagés avec vous ici, c'est vrai que j'ai gagné ma vie. Et maintenant, je gagne encore plus ma vie. Ce que je dis à mes collègues, je dors chez moi. Je prends tout mon temps. Je vais voir deux ou trois clients. Et je leur fais des choses. Avant, je faisais des choses. Je leur faisais des installations. Je faisais des travaux. Mais j'avais peur du lendemain. Le lendemain, on pouvait m'appeler et me dire que ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Je pouvais rencontrer un autre professionnel et je ne savais même pas ce que j'allais raconter encore. Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'être confronté à des situations de partage. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus la guerre, je partage avec les autres. Et cette confiance, ça n'a pas de prix. Encore vraiment merci. Je n'ai pas peur et je vous rassure, je gagne ma vie très bien. Je n'ai pas peur et je n'ai pas besoin d'aller dans quelque chose que je suis. Je fais des prières et Dieu sait, quand je passe ici, et quand je suis bloqué, c'est vrai ce que je vous dis, quand je suis bloqué dans une installation ou quelque chose, je viens juste devant cette porte. Je fais fatigue une fois, cela va être une fois. Je n'ai même pas besoin que Dieu me soit où j'ai tel problème. Dieu m'est témoin. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est pour vous dire que moi j'aime être concret. Je n'aime pas qu'on me raconte des histoires. Et que ce soit dans mes convictions ou dans le milieu professionnel, j'aime avoir de vraies connaissances. Et ce monsieur-là, il ne triche pas. Je vous remercie et je prie. Alhamdulillah. On a tout devant nous. On a ici, c'est différent. Parce que si on a des docteurs, des enseignants, quand on a qui mettent toujours des efforts pour nous, tout ce qu'ils veulent, parce que nous voulons, ils veulent que nous réussissions au mieux là. Donc, ça nous crée de doubler le corps, de travailler à chaque fois. Voilà. Et nous dit, comme nous vient de le dire, les limites, il n'y a pas de limitage. Donc, il faut toujours s'accrocher, il faut toujours travailler. Et c'est le travail fait. Je m'appelle Abisson, je suis de la terre de. Je tenais à remercier Deuxième parce que c'est elle qui m'a poussé à rester dans cette école. Vu que j'étais à l'université, faculté des sciences et techniques, c'est elle qui m'a poussé franchement à rester dans cette école parce que c'est elle qui m'a dit ici, c'est le travail, c'est la rigueur surtout. Je l'ai dit que je n'ai jamais fait les réseaux et télécommunications,
j'ai commencé à... J'avais fait l'algorithme et les l'embrasser. Après, c'est elle qui m'a dit que là, il n'y a pas de souci. Quand tu viens ici, il y a le labo qui est tout le temps disponible pour les étudiants. Aussi, il y a les aînés qui sont toujours là, qui sont toujours ici. Je remercie aussi Babacar Sow parce que lui, il nous aide tout le temps aussi, et Chakala aussi avec les HTML, parce que je n'avais pas bien compris. Merci beaucoup encore une fois. Juste pour remercier donc, tous les membres donc, du club de l'Amical qui menacent donc, tous les efforts à organiser donc, des clubs, que ce soit donc, des clubs de réseau, des clubs de. C'est-à-dire plus des clubs d'HTML. Une fois j'ai assisté donc, à des cours d'HTML, on a vu donc, un professeur, c'est pas son nom, il est devant. Il est venu se déplacer, je ne sais pas s'il est en licence ou en master. Donc, ici à l'ECDT, on voit que donc il y a le partage donc, des étudiants qui viennent partager donc, leur connaissance. Et donc juste à ces mots donc, que je vais refermer. Donc, je voulais juste dire que l'avenir, donc, c'est la, l'avenir. Donc, C'est le numérique. Donc il faut intégrer le numérique. Donc moi je suis passionné des technologies et j'ai pas quand j'ai eu mon bac, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas. J'étais donc à l'université de Dakar, je faisais anglais, mais tout le temps donc, j'avais ce sentiment donc, de faire de faire quelque chose donc, qui touche donc, la technologie. Et je n'ai pas hésité à intégrer donc, le CDT qui est donc en bonne école. Donc. Et j'invite tous les bacheliers ou passionnés donc, de la technologie de venir donc, faire ces matières. Merci beaucoup. Moi je suis arrivé. Je n'avais pas le bon sens de l'école. Peut-être que ça va donner. Mes parents me disent, concernant l'école, pour moi ça se passe pas. Ils disent, vraiment, l'école qui vient d'école, pour moi, ça me coûte, ça me coûte de l'argent. Pour moi, je suis très ému, pour moi, très content. Pour moi, tout ce qui se passe ici, pour moi, c'est vraiment incroyable. Pour moi, que les choses continuent comme ça, j'espère que. En fait, c'est pas assez pour moi, pour moi, la vie est comme ça. Je ne sais pas si c'est dirigeant ou quoi. Bonjour, chers étudiants aussi. Je ne sais même pas quoi dire. Tout d'abord, je remercie. Je suis émue, c'est pourquoi je ne peux pas parler. Depuis que je suis là, tout est impeccable. Ah, c'est Josia, son nom, c'est Josia. C'est elle qui nous a demandé de venir ici. On était à l'UVS. On suit là-bas, L2, on fait MIC aussi. Mais là-bas, comme on fait que théorie, mais ici, depuis qu'on est là, Dieu merci. Dieu merci. On fait que de la pratique. Donc, vraiment, je suis émue, je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie tout le monde et merci encore. Parce que comme la journée répond à son nom, je me suis intégré. Il n'y a pas j'ai vu les étudiants aussi sans tête. C'est la même chose ici, il y a en bas de bas. Même si je joue aussi en loin de veille en bas, parce qu'en ce moment, je suis rentré de voir certains domaines que vous savez ici que nous n'avons pas là-bas et que j'ai échangé au niveau de l'administration. Et merci pour votre journée et que la journée soit belle. Bon, premièrement, je vais remercier le président. Donc il a menacé aucune espoir de cet événement. Donc après cela, donc, je remercie aussi donc, la secrétaire, Mme Zelda. Franchement, depuis que j'ai mis mes pieds au niveau de cet effort, donc à cet instant, on se parle, on me donne des conseils. Et franchement, ça, je le garde dans ma tête. Ceci ne se renouvelle jamais. Après cela. Merci.
Après cela, donc, je vais m'intéresser au niveau de Monsieur Christian. Franchement, parlé, tout donc, les cours qu'on fait en classe. Par exemple, au début, je ne me connaissais même pas. Je me tapais de faire. Il a même fait un projet en montage vidéo qui doit être présenté. Donc son projet est avec moi. Donc on a juste travaillé sur After Effects pour le site d'animation. Et il a fait son animation. Il y a que trois projets. Lui, il a son projet. Il y a une fille Awa, qui a son projet. Il y a aussi une troisième qui a son projet. Donc vous allez voir, on a juste fait quelque chose comme, je pense, trois cours en After Effects. Et déjà, ils ont eu à faire des projets. Donc vous allez voir plus ou moins ce qu'ils ont eu à réaliser dans le cours After Effects. Donc il est très ambitieux et il est parmi les premiers qui ont fini leur projet. Donc bravo, félicitations. La vie est pleine de supercherie, on a qu'à s'oublier aux rats africaines. Certains oublient que sa voix s'est confiée à l'homme son sang, ce qui les pousse vers la haine. Un esprit c'est un jeu concert, un sous probable vers la victoire. La femme, je vais être en retour pour s'en sortir. À ma droite, nous avons les TR. Ce sont les étudiants de la première année. Alors, merci beaucoup. Et soyez attentifs. Et aussi, les questions sont pour les joueurs et ainsi pour le public aussi. Là, vous aussi, vous êtes étudiants. Si vous suivez bien les questions et les réponses, ça va vous servir de quelque chose et vous pouvez aussi garder. Merci beaucoup pour votre attention. Un, deux. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Kachar Apagaramama. Je suis un master de télécom et réseau. Et, bon, je suis un bébé des SQLT depuis la première année. Donc, et on est toujours là. Donc, je suis ravi de voir tout ce public qui est là, qui est venu nous soutenir. Je remercie très fortement l'amicale de SQLT du 2018 qui a su prendre les choses en main et qui nous a mis en place cet événement. Nous sommes tous ravis. Et je remercie aussi, je remercierai sans cesse M. Ouya, le docteur Samuel Ouya, qui nous a formés, qui nous a guidés. Et donc, que Dieu lui apporte tout ce qu'il veut. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le génie en herbe. Le génie en herbe, c'est quoi? C'est le génie en herbe. Ce sont des questions qu'on posera à ces différentes équipes. Nous permettra après de les départager et d'avoir un champion. Donc pour la première phase de ce génie en herbe, nous avons à ma gauche L1 MIC, licence 1 MIC, et à ma droite L1 Télécom. Pour la première question concernant bon, les règles du jeu, c'est
c'est que la question qui s'adresse à LNTR sera répondue par les gens de LNTR et après l'autre question sera posée au L1MI. Et là, on va essayer de comparer et trouver, chercher le champion. Et il faut aussi savoir que vous devez désigner un membre qui va répondre à ces questions. C'est bien. Vous devez choisir un membre d'entre vous qui répondra aux questions. Et pour chaque... En fait, en ce qui concerne les génies en herbe, les règles du jeu sont les mêmes. C'est-à-dire, pose une question et vous avez 30 minutes de concertation. Donc, 30 secondes autant pour moi de concertation entre vous et désigner la personne pour pouvoir répondre à la question. Et merci. Bien, nous remercions M. Abdel. Sans plus tarder, la première question concerne les L1MI. Quelle est l'extension native de Photoshop? Merci pour la question. L'extension native de Photoshop, c'est PSD. 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 C'est une bonne réponse. Nous remercions les gens de LNMI et c'est la bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mais faites du bruit là, les gars, faites du bruit s'il vous plaît. C'est la résolution des noms de domaine. Les adresses IP en ordre. C'est à résoudre. Monsieur le DRS a pour de faire la résolution des adresses IP en nom. Bien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est la bonne réponse. Deuxième question pour les L1MI. Quel est l'outil recommandé pour faire un N-détourage parfait? L'outil parfait pour faire un bon détourage, c'est l'outil plume. Donnez les 7 couches du modèle OSI. Troisième question.
Quel mode de colorimétrie est utilisé pour les images dessinées au web? Les images utilisées, c'est RGB ou RGB. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est la bonne idée. Les LN Télécom. Troisième question. Quels sont les composants de la table de routage? En tant que téléphoniste, vous devez répondre à cette d'un table de routage. On a les adresses IP destination, l'adresse MAC, l'adresse MAC, l'interface et aussi la passerelle. Elle aime des réponses, c'est pas parfaitement la bonne question. Vous avez donné une partie des réponses. Donc vous avez demi-point. Yoni Gadroye. Il a répondu à la question. Il a dit adresse réseau de destination. C'est ce qu'il a dit. Il a dit adresse masque. Non, adresse masque. C'est ça qu'il a dit. Il a dit le masque de la réseau. Donc, on va aller bien prononcer. Donc, si vous applaudissez, s'il vous plaît, je m'excuse. Quatrième question pour les LMI. Quelle extension de Photoshop permet d'enregistrer une image et garder sa bouche alpha? La question est, quelle extension de Photoshop permet d'enregistrer une image et de garder sa couche alpha? Quelle est l'extension de Photoshop permettant d'enregistrer une image et garder sa couche alpha? Il vous reste 10 secondes. L'extension permet d'enregistrer une image Photoshop, c'est PNG, JPEG. Pardon? JPEG. Pardon? Non, c'est pas parmi les... Non, la LN Télécom veut faire, des prix. C'est PNG. Applaudissez pour LN Télécom. Au début, on n'a pas prévu une réplique. Et étant donné que vous avez répondu à la bonne question, et ils ont perdu le point, et chez vous, on ne va pas noter la question pour vous. Bien, pour la quatrième question, pour L1 Télécom. Quelle est la différence qu'il y a entre un hub et un switch? 30 secondes.
différence entre un switch et un 1. Un 1, quand il reçoit une information, il le diffuse dans tous les ports. Et contrairement à un switch, quand il reçoit un relevé qui est un donné, il le transmet seulement au port destinataire. C'est la bonne réponse. Cinquième et dernière question. L'outil GOM permet un remplissage minutieux, vrai ou faux, pour les L1T, L1I. L'outil GOM permet un remplissage minutieux, vrai ou faux. Il vous reste 5 secondes. La réponse. C'est faux. Bien, c'est la bonne réponse. Dernière question. Sur cette partie-là. Comment appelle-t-on les données manipulées par un routeur? Il vous reste 5 secondes. Les données qui sont manipulées, ce sont des datagrammes IP. C'est la bonne réponse. En fait, pour la première phase, on se rend compte que l'équipe PIC a perdu une question sur 5 et l'équipe Télécom a remporté 5 sur 5. Oui, nous félicitons l'équipe L1 Télécom et nous encourageons aussi l'équipe L1 Mid. Vous avez fait de votre mieux et je suis certain que vous arrivez à vos fins. Merci. C'est clair.
Ok. Bonne chance à tous. En informatique, pour insérer dans une base de données, que faut-il faire? Il faut d'abord être sur la base de données d'abord et requérir un salaire. C'est la bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la méthode qui permet de récupérer les informations dans une URL? C'est la méthode GET. C'est la méthode GET. La question suivante. Ça, c'est du lyrics. Quelle commande permet de changer la langue du clavier en français? DP, casier, reconfigure, keyboard, configuration. La commande qui permet de reconfigurer le clavier en ligne est 7XKVMAFR. C'est la bonne réponse. Vous êtes prêts? Prêts? Qu'est-ce que le protocole SMTP? C'est quoi le protocole SMTP? Le protocole SMTP est un protocole de transfert de mail. Le transfert de mail à travers l'Internet. SMTP, c'est là que je dis simple, mail, transport, protocole. Applaudissez-vous. Quel protocole est dédié à la transmission de fichiers sur Internet? Applaudissez pour eux. Il y aura de la culture générale ici, hein. C'est qui n'aiment pas lire. Là. La première question pour la culture générale. Qui a créé le premier ordinateur? La personne qui a créé le premier ordinateur, c'est Big Quest. Hein? Big Quest. C'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Non, la bonne réponse est la personne qui a créé le premier ordinateur, c'est Charles Bagage. Comme on est dans la culture générale, je me permets de poser une question. En quelle année l'école centrale des logiciels libres et des télécommunications a été créée? 2009. Vous embrassez, s'il vous plaît. Ma question suivante. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Thank you.
c'est des systèmes de traitement des informations automatiques de manière séquentielle. C'est juste un système de traitement des informations automatiques. La réponse n'est pas claire. Un ordinateur est un terminal électronique qui fonctionne grâce à un programme ou des instructions qui lui permet de faire des traitements de données ou de modifier des données. Le jury dit que c'est la bonne réponse. Question suivante. Quels sont les composants d'un ordinateur? Un ordinateur composé de l'écran, du clavier, de la souris et de l'unité. C'est la bonne réponse. La question suivante. Quelle est la signification de HTML? HTML. La signification de HTML, c'est Hyper Text Market Language. Pardon? Hyper Text Market Language. Market. R-A-R-K-E-T. C'est pas la bonne réponse. Hyper Text Markup English. Qui Markup comment? M-A-R-K-E-T. Applaudissez pour lui. Pour la dernière question maintenant, comment appelle-t-on le président actuel de l'Union africaine? You're what you love.
Je suis un peu plus de temps, 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 je suis un pe